Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Est-ce que je peux avoir une photo de ça? J'espère. Ouais, c'est belle patente. Ça s'achève au nom de la véhicule. Retenez le nom Yves Vendor. Allez voir sur Internet. Là, comme le... Vendor comme vendeur. Yves Vendor. Il était fait à Québec. Avec le bon filtre comme ça, là, avec les deux. Ben là, mais qui font tout ça? Toi, t'es comme de même. En mode de même. Vous allez dans le stationnement-là, vous allez voir une voiture qui a une planche de surf dessus. Ah, OK. Je pensais pas qu'il y avait des F-250 dans ce temps-là. Quatre portes en plus. Hein, quatre portes, ben oui. C'est pour quelle année ça? 16. Quand ça? Hein? Je pensais pas qu'il faisait des quatre portes en 16. C'est tout les Américains qui faisaient ça. Ah, c'est les États-Unis qui faisaient ça. Les Américains, on a fait des centaines. Les jobbers du lac Saint-Jean, de Saguenay. Puis c'est tout, ils amenaient les gars à l'ouvrage. Puis ils débarquaient, ils étaient six chiffres. Il débarquait les gars pour les trucks pour travailler. Okay. Puis c'est pas une action au travers qu'il est venu sur du Voir Auto. Puis là, il n'avait pas vendu celui-là. Puis, il, voir auto, il était choqué, il dit on commande des trucks puis ils ne prennent pas. Ah. Il va le prendre, moi. Il paye 7480. Acheter le 16. Plein de bandeux. Oui. Et... Mais gars, c'est cher pareil, là. Je comprends, ben oui. Aujourd'hui, ça vaut 50. Ça vaut comment aujourd'hui? Ben là, il a fait 72 000. Le côté américain, il a 150 000. Il vient quand même loin. Ah ben ouais? La route, c'est très. C'est pas un téléphone de l'île. Il dépogne le téléphone demain. Il part, il s'en va à côté de sa femme. Je prends une photo des deux. Merci, monsieur. Il est parti. Lui, il a diffusé. Cette photo-là, c'est plus le bonheur qu'il l'a pris. Mais il est pas sur le Kodak. J'ai une belle leçon d'égo en astuce. Moi, je ne veux pas me prendre un autre, puis ça m'a aidé en t'apportant qu'il ne faut pas avoir un autre. J'étais à Granby, mais tout le monde me prend le même en photo. À un moment donné, il y a un gars, il y a une main avec son appareil photo, puis ça fait un instant. Il dit, excuse, peux-tu tosser? Je peux prendre la photo du char. Je voulais rien savoir d'abord. Il y a un char. Vous l'avez descendu de combien? Non, vous l'avez droppé là. Hein, ça a été là. Hein? Ça, c'est pour juste donner un net. Ouais. Un net. Il est arrivé de chez Parfait. Moi, j'ai un météore. J'ai un météore 49, un char. Eux autres, les Américains appellent ça des Fortudors. Parce que le haut d'en avant, il y a comme un trou, une ballette nose. Moi, c'est le devant des gros Mercury américains. C'est né de même. Là. Au
Canadiens, les Canada, ils ne comprennent pas. Ils pensent que tu fais moitié. Ils pensent que tu fais moitié. Merci. BV, bravo. J'ai été là. Oui. Voiture noire qui a là. Nous, c'est mes parents 57. C'est vrai? Oui, c'est le corps d'un oncle à ma mère, puis c'est son garçon qui est là. Il l'a serré pendant 40 ans. Il l'a sorti. Oui, oui, Marcel Bouchard l'a peinturé avec. Il a fait le... C'est Marcel qui l'a peinturé. Il a tout refait tout l'intérieur. Il l'avait, il était serré. À ses pères. C'est comme ça. Il est au nord, c'est mon père et ma mère. Oui, ben, c'est pour ça qu'il est en dessous de mon gilet, mais j'ai gagné. Oh, bien sûr, du gilet. C'est correct. Amis. Il y a quelqu'un là. Oui, ça existait, on donnait ça dans les années 80 au Walker. Non. Ah non, c'est vraiment son problème après les Viens, mademoiselle. 1950! Ton nom, c'était à quelle année? 1952. 52? 52. Oh, petit avant, tout est bien. La moto, hein? La moto, Toi, tu t'en mets bien, là, aussi. Elle vient dans la terre. C'est l'autre, t'avais pas de moto. L'autre, c'était le même moteur, okay. Et par contre, c'est un James, la marque est James. OK, c'est un Dot. Tout ce trip-là, j'aime ça. Dans les années, dans mon coin, il y a des gars, ils viennent chez nous, là, ils sont assis, ils sont pas oubliés, ils ont gardé les surfaces. Des mécaniques de fou. Des fois, il y a un élément qui est super propre, là, mettons le moteur ou les quatre roues sont écœurantes, vous avez fait ça. Ouais. Bon, là, bravo. Merci. Parce que le début du hot rodding, c'était ça. Le début du hot rodding, là, les gars qui sortaient de la guerre, là, il achetait une carrosserie de vieux Ford de 50$, mettait de la mécanique, enlevait les ailes, là, ouais. Les ratras. C'est après qu'ils sont mal virés fous de dépenser des milliers. Ah oui? Oui, c'est récemment, plus. Oh. C'est plus récemment qu'ils sont virés. C'est un récolte allemand. Oui. Oui. Tu veux le tienne pour la photo? Non. Je vais t'asseoir dans mon genre. Ah, c'est tien. Ah, il est beau, ça. Dans les modèles Chevrolet, je pense que c'est le plus beau. Allez, après, où t'as pas la pluie?
C'est pas bien fatigué. Il est fatigué, il est mort de rire. Rappelé à côte de Boucan. Ah, premier, deuxième. Ah, ouais. Je suis en arrière. Ben ouais. Dans la main, j'ai Tony Wong. Bang! Le moteur. Ça a coûté un moteur, mon temps. Comment on a dit la qualité de rendez-vous cette année? Pas la même, on va faire ça. Quelques premiers, excuse-moi. Quelques premiers, cette année, ça ne vous ira pas tantôt. Je crois que c'est l'autre photo. Oui, oui, oui. Bonne chance. Va le voir. Allez, Michel. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Merci pour nous avoir d'eau. Et maintenant, le CSR, grande collaboration comme tout groupe, un ami en plus. Et je vais passer, M. Assin, pour vous dire un mot à la mise des trophées. Un petit mot. Parce que Michel et moi, on est complices depuis des années, alors on ne compte pas ce qui s'est passé dans le passé, ça ne compte pas. Mais Michel a toujours été quelqu'un qui a représenté fièrement notre belle ville, Michel. Ça a toujours été fidèle. Il a probablement été fidèle à ma ville. À ta ville. Oui, oui. Ouais! J'avais dit que le passé, ça se compte pas. Alors, mon mot, la fond d'amour, ça, c'est les gens chez nous. T'aimes ça chez nous? C'est beau? Oui. Est-ce que t'es prêt pour remettre le trophée du chemin? Oui. Alors, suis-moi. Alors, toute la vie, c'est un raison. Vous avez raison que vous êtes passé ma bébé. Monsieur, vous êtes. Le trophée du chemin. On applaudit monsieur, madame. On attend, viens. Merci.
Ceux qui ont le goût, c'est quoi la surprise que je vais avoir? C'est sûr que j'ai toujours rêvé d'avoir le char de Gene Hainaut. Toute la population était là. Tout le monde était là. Là, en 1967, puis d'abord, il y a eu les intimes. Ils ont fait la descente des Amérindiens, ils n'ont pas versé l'alcan. L'alcan a ouvert les barrages, on a mouillé trop. Comme les projets piles. Ouais. Je ne sais pas si c'est une surprise, mon amour. Oui. On arrive quasiment. Hein? Marche à cette vitesse-là. Dans quel secteur on va? Monsieur. Oui, ils m'ont dit que c'était organisé, on avait vu ça suivre le sentier. Bon, ben, je suis bon. Non, mes amis vont venir sur le Salut toi! Oui! Allô? Monsieur Saint-Pierre. C'est de sa faute. C'est de ma faute encore. C'est de sa faute. Alors, on va faire une activité solennelle. C'est un protocole, là, voyez, t'asseoir. Moi, je suis doublement heureux d'être ici aujourd'hui avec vous, pour, simplement parce qu'au départ, Michel, c'est un grand ami de jeunesse. On a grandi ensemble, plus jeune un peu que moi. Je jouais souvent le rôle de grand frère défenseur. Parce que. Il avait la mèche courte. Il avait le 16, mais t'avais la mèche. Ça s'est tendu. Il avait la mèche courte. Mais on a fait une fabuleuse jeunesse que je ne regrette point, au contraire. Et puis Michel, à partir du moment où il a eu le désir de devenir un artiste, un vrai, parce qu'il aurait pu être un méchant pilote automobile, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Pour avoir vu la ligne d'exhaust en dessous du Carmen Guillard, il fallait que ça soit un bon pilote. Alors, toutes ces années-là qu'on a faites, ça l'a comme préparé à être ce qu'il est aujourd'hui. Par contre, il n'a jamais oublié ses origines, il n'a jamais oublié ses amis. On a des textos de temps en temps, même si on ne se voit pas souvent. Je visite de temps à autre son hôtel à l'autre bout du Québec, parce que pour nous, c'est l'autre bout du Québec. C'est installé, c'est vraiment bien accueillant. Et puis j'ai été, moi, chanceux de l'ouverture, lorsque vous avez fait l'ouverture de cet hôtel-là. Exceptionnel. J'ai vu à quel point les gens de Montréal aussi vous apprécient énormément, M. Barrette. Alors, ceci étant dit... Je m'appelle M. Barrette. Ben non, je parle en tête. Ben, ah oui, oui. Alors, ceci étant dit, je vais plonger dans mes notes parce que c'est important que je n'oublie rien. Parce que c'est un commentaire officiel que je fais au nom du conseil municipal, en mon nom comme maire bien sûr, mais au nom de la population d'Alma, parce que la population d'Alma vous le rend souvent. Lorsque vous dites que vous descendez à Alma, les gens participent, les gens sont bien fiers de vous. Alors ça vient comme suit. Au nom du conseil municipal de la ville d'Alma, il me fait plaisir de présenter cet endroit de Parc Falaise dédié à l'humoriste, animateur et comédien Michel Barrette. Michel Barrette est né à Chicoutimi, bien sûr, mais il a passé une grande partie de son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte ici même à Alma. Et adulte, ben là, on pourra en parler. Des souvenirs importants se sont déroulés ici, des événements marquants dans la vie de l'artiste y sont nés. Ses premières armes en animation à la radio étudiante à Camille Lavoie, ses premiers pas en improvisation à l'Hôtel Royal et au Bar Le 25, où je travaillais portier. Alors, j'ai eu à le défendre à quelques reprises. Et c'est aussi ici à Alma qu'est né le célèbre personnage Roland I.A. Tremblay dans une activité dénommée le Festiram, où j'en ai même été président pendant plusieurs années. Puis, j'oublie pas non plus, parce que j'ai rajouté un événement, parce que ça se passait beaucoup entre gars de Bessic. Ben oui, il a été Broomer au show Boucan. Broomer, c'est quelqu'un qui s'occupe de nettoyer la piste après qu'il y ait trop de pneus brûlés sur la traque. Alors, il a été broomer dans mon équipe de bénévoles pour organiser ces courses-là, qui étaient quand même des bonnes réussites pour ces bonnes années-là.
Michel Barrette a toujours été fier de ses racines almatoises. Il est un ambassadeur exceptionnel et un artiste au talent multiple. Puis effectivement, lorsqu'il a fait sa grande run de vieille bagnole, dans le temps qui était commandité Quaker State, à partir de Montréal, aller jusqu'à Alma, en passant par la brasserie Mario, où il y avait des reportages à tous les demi-heures ou heures, promotion comme celle-là pour la ville d'Alma, dans la grande ville de Montréal, là, on aurait été incapable de se payer ça. Ça prenait juste Michel pour faire le show qu'il a fait là, puis qu'il a fait parler de nous à Montréal pendant des années. Là. J'en ai entendu parler longtemps après la run à Barrette dans le parc des Laurentides avec sa bagnole qui avait fait la run. Jusqu'en Californie après. En plus. Alors, vous voyez, fait qu'il est aussi un homme de cœur qui revient régulièrement vers les siens pour partager son talent, ses passions, comme celle des voitures antiques, ou généreusement, son temps aussi. À l'endroit où nous nous trouvons présentement au Parc Falaise, il s'agit d'un lieu particulier pour Michel. C'est ici où il venait souvent se recueillir, ça c'est lui-même qui l'a mentionné. C'est un lieu qui lui appartenait, comme il l'a dévoilé dans l'émission « Viens faire un tour ». C'est donc en hommage à l'homme et à l'artiste que Ville d'Alma est heureuse de consacrer cet endroit en son honneur. Un banc y est dorénavant installé, le banc à Barrette, pour inviter les passants à s'y asseoir confortablement et à s'inspirer du paysage, comme nous invitons Michel Barrette à venir nous voir souvent pour au moins 25 ans minimum. Et je tiens à remercier Martial Saint-Pierre, qui m'a chatouillé à une couple de reprises pour ce fameux projet, mais où je me suis empressé d'aller de l'avant et de faire ce qu'il y avait à faire pour qu'on puisse faire cet investissement-là dans le Parc Falaise, qui est un ami de longue date aussi de Michel, Marcel, de nous-mêmes, et on le connaît depuis des années. Et puis la réussite de cette activité-là, en terminant avec Michel Barrette, qui a fait le show qu'il devait faire à chaque année, qui a été fidèle comme d'habitude, eh bien nous, Ville d'Alma, on en est bien fiers, et on te félicite là-dessus. Et puis tu auras ce banc-là qui, je pense, ressemble à une prémisse pour le futur. Merci de votre attention. Je vais venir méditer ici. Moi ici. Ouais. Je vais demander pardon pour mauvais coup. Ça va être long. Ouais. En fait, tu vois. C'est vrai, le micro marche pas. Moi, je vais être plus court. À un moment donné, je prenais l'émission Viens faire un tour. Puis quand il a commencé à parler de sa roche, puis que où est-ce qu'il allait méditer, puis prier, puis pleurer son avenir, pleurer sa vie, ses moments de bonheur, de jeunesse. J'ai pensé au banc de Forrest Gump à Savannah, en Géorgie, aux États-Unis, oui, qui est un lieu touristique où est-ce que le monde va se faire photographier. C'est vrai, ça. C'est comme ça que je l'ai expliqué à notre ami commun. Oui. Mais j'ai toujours pensé que t'es plus open que Forrest Gump. Oui. T'es comme plus... Oui. Laisse-moi des crevettes, là. Des crevettes Booba, là, c'est ça. Là. Oui, Michel, à 40 ans, il a passé dans ma vie à Radio Étudiant. On est devenus amis. Dans mes projets d'exposition de voitures, le RPM à Alma et Saint-Bruno, la classique, il a rembarqué avec nous autres. Puis il en a fait, je suis content aujourd'hui. Michel, là, les personnes qu'il aime, sa famille, ses meilleurs amis, sont pas mal toutes ici. Puis les voitures antiques. En plus, Michel, c'est tellement un ami, que ça faisait 5 minutes que j'avais écrit sur Facebook que mon père était décédé au mois de décembre. Le premier téléphone que j'ai eu, il était en Californie en vacances, c'est lui. Fait que je vais vous dire, c'est... Je suis content qu'il ait croisé mon chemin à un moment donné à Radio Étudiante dans un festival étudiant. Mais je pense plus qu'ils sont capables de faire des festivals de même aujourd'hui. Merci, mon chum. Merci d'être Michel Barrette. Ah, merci. On va dévoiler la plaque. Je vais lire ça tout haut. Okay? Oui, faut que tu lises. Écoute, donnez-moi le poêle. Tu n'as pas. Ça, c'est du poêle. Oui, mais moi, il est même. Ah oui, oui. Le banc à Barrette. À l'occasion de la classique Michel Barrette tenue du 3 au 5 août 2018, la Ville d'Alma a procédé à l'installation du banc à Barrette afin d'identifier ce lieu de réflexion privilégié par l'artiste Michel Barrette lors de sa jeunesse almatoise.
Les promeneurs sont invités à s'y asseoir, à cesser inspirer comme le faisait lui-même ce grand ambassadeur de la ville de l'hospitalité. En reconnaissance de l'œuvre considérable de cet artiste aux multiples talents qui a fait rayonner positivement Alma et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, partout où il se produit, ce banc restera sur place pendant 25 ans. Minimum! On a tous été adolescents, hein? Oui. Le pas, t'as joué ado, toi? Je sais pas. Oui. Mais écoutez, j'ai une thérapie, moi. Je vais être bref, mais je veux juste, vous n'avez pas idée à quel point ça me touche, parce que avant même d'être connu, avant même de devenir un artiste fier, toujours, comme vous l'avez dit, de représenter ma région du mieux possible, parce qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Il ne faut jamais oublier non plus. Il y a des gens qui m'ont dit aujourd'hui, coudonc, t'as parlé à tout le monde, t'as donné la main à tout le monde. Puis ça m'est arrivé de ramasser des artistes, des jeunes humoristes qui commençaient à s'enfler la tête un peu, et de leur dire, écoute, oublie jamais que si tu es heureux dans ton métier, c'est parce que ces gens-là t'aiment. Mm-hmm. Puis s'ils si t'aiment, veux-tu les aimer un peu? Mm-hmm. Alors, puis j'ai dit déjà à un jeune humoriste, j'ai dit, la millième personne que tu vas rencontrer dans la journée, 11h le soir, n'a pas à payer pour la photo que tu as prise à 8h le matin. J'ai dit, fallu le même sourire, de porter la même attention, parce que pour faire ce métier-là, il faut aimer les gens pour vrai. Mm-hmm. Puis moi, je vous le dis, je vous aime pour vrai. Puis ce que vous me dites aujourd'hui, dans le fond, c'est que vous aussi, vous m'aimez pour vrai. Puis ça me touche énormément. Parce que le flow... Ouais. Ouais. Que t'étais. Que j'étais, ouais. Yeah. Le flow que j'étais, qui avait... 17 ans, 16 ans, 15 ans, qui venait s'asseoir sur cette roche-là. Oui. Et qui avait des moments de fun, tu sais, genre vider le Kentucky, s'acheter un gros baril de familial, puis de manger sa roche, en disant, enfin, non, j'y ramène, bon, dans cette tête, t'es flo. Ou des fois, pour des raisons qui sont plus touchantes, tu sais, on vit des affaires à 17, 18 ans, on est triste, on le vit seul sur la roche. Alors, des moments heureux, des moments malheureux, des moments de réflexion. Et je suis content parce que les choses disparaissent vite. Et moi, je suis un nostalgique, j'aime pas que les choses changent. Et quand je vois, tu sais, on parlait de l'Hôtel Royal, elle est plus là. Mais si elle était là encore, on irait à soir, tu sais. Mais c'est comme ça, ça avance. Mais des lieux comme ça, ça change pas. Ici, quand j'avais 17 ans, j'en ai 61, c'est le même endroit. Alors pour moi, je suis content parce que je serai plus là, mais ça sera encore là. Alors, je vais être dur à bouger. Ça va être dur à bouger, puis le banc aussi. Alors, merci, parce que c'est comme, dans le fond, de me dire que vous reconnaissez le bonheur que j'ai eu à vous représenter ailleurs, et qu'à l'avenir, ben, des flous comme moi j'étais pourront venir s'asseoir ici, méditer pour les raisons qu'ils voudront, mais il y aura toujours une petite partie de moi là-dedans, une partie de vous là-dedans. Merci beaucoup, beaucoup. En plus, ils ne sont pas trompés de rock. Hein, Michel? Je capote. Ça va être un pont, le prof. J'ai pratiqué avec un banc. Ouais, belle passerelle, t'as un banc. Avec un pont. Ouais. J'ai plus là, là. Il y a un Marcel. Fantôme de... Chef un star. Chef un star. Un fantôme de ma jeunesse. Il était bien découragé dans son histoire. Oh, c'est bon, ça. La roche au dessus. Un peu. En tombe un peu, ça rappelle. C'est bon. Thank you.
TV, fiers de faire rayonner notre communauté.